Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve sur Mr. Planet. Enfin pas vraiment parce que moi je vais pas me connecter au jeu puisqu'aujourd'hui nous allons revoir un petit peu vos messages. Vous m'avez énormément dit que la dernière vidéo sur les messages était super cool. Ouais mais en même temps c'est moi qui l'ai fait quoi. Bon j'arrête de me la péter mais bon. En vrai vous avez été très nombreux à me demander de continuer à faire des vidéos sur les messages. C'est vrai que ça change un petit peu des situations. Écoutez c'est parti, je vais vous montrer l'un des messages que j'ai reçus. Voici le premier message de la vidéo qui vient d'une personne qui m'a dit c'est un message de Modo il y a longtemps quand tu te fais bannir. Alors, apparemment ce serait une madame qui s'appelle Movie Star Planet, sûrement quelque chose écrit derrière. Bonjour, vous êtes niveau 15 VIP, on le sait, mais moi, Movie Star Planet et l'équipe, nous devrons te bannir à vie parce que ça fait un mois que tu ne respectes pas les règles. Donc maintenant, arrête de faire des bêtises et respecte les règles. Merci de nous écouter, Movie Star Planet et toute l'équipe. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer plusieurs points qui font que... Enfin, ça se voit tout de suite que c'est du fake. Déjà d'une, si t'es banni, en soi, tu peux même pas voir tes messages. Voilà, donc, bon, apparemment, là, c'est juste un avertissement. De deux, le message est bourré de fautes. Hein. Y en a tellement, je pense que c'est même pas la peine que je vous dise où elles sont. Je pense que vous les voyez déjà. De trois, la personne, elle commence par un vouvoiement et puis après, elle tutoie. Voilà, donc, vous êtes niveau 15 VIP, on le sait. Nous devrons te bannir, donc c'est vous bannir techniquement si on continuerait sur le vouvoiement. Donc en plus des fautes d'orthographe, voilà c'est mal écrit, le message est extrêmement mal écrit. Mais en gros là c'est plus un avertissement parce que maintenant il demande donc maintenant arrête de faire des bêtises et respecte les règles, merci de nous écouter. Voilà donc on voit clairement que ce message c'est du fake. Maintenant c'est vrai que la personne qui a créé ce compte là il me semble... Ça doit être un petit... Il y a un petit moment parce qu'il me semble que maintenant, on ne peut plus écrire de... Enfin, de créer de comptes qui commencent par Movie Star Planet ou là où il y a marqué... Enfin, qu'on ne peut pas mettre Movie Star Planet dans le nom du compte. Voilà. On va passer au message suivant. Pour le message suivant, il est assez rigolo parce que là, on voit bien qu'il y a Francisca. Donc, la personne a contacté Francisca. Coucou, je suis fan de toi, je veux être reluqué. Coucou, je suis fan de toi, je veux trop que tu me reps. Hey, ma fra, je fais du chisca. Alors, le dernier message est assez rigolo. Et en fait, on peut remarquer dans le message, donc je pense que la personne qui m'envoyait le screen voulait me laisser un message. Je me suis fait pirater, la personne a pété des plombs, donc il me semble, si j'ai bien compris, que l'auteur du compte n'a pas envoyé ses messages à Francisca. Mais bon, d'un côté, je pense qu'elle peut s'estimer heureuse quand même que la personne qui lui a piraté son compte n'a pas insulté Francisca en message, ce qui est déjà pas mal. Donc la pirateuse ou le pirateur est fan de toi Francisca si tu passes sur cette vidéo, voilà. Nous avons une conversation d'esprit, c'est magnifique, en plus on a une bonne qualité d'image, ça fait plaisir. Du coup, on se retrouve avec un esprit et je découvre en même temps que vous la conversation. Bonjour Anako-san, aidez-moi s'il vous plaît. Bonjour esprit, que puis-je faire pour vous? Vous devez retrouver mon mari. Pourquoi ça? Faudrait déjà que j'en trouve un pour moi. Ah! Il m'a tué le jour de notre mariage. Ah, comment ça? Il m'a épousé pour l'argent et ensuite, peu après, pendant la nuit, il m'a tué et a prétendu que je m'étais suicidée, ce qui est faux. Il a été, et maintenant, au nom de la loi, veuf et plus marié avec moi. Ah, c'est pas sympathique tout ça, je dois faire quoi? Tu dois aller dans une salle de chat et écrire « Bertrand, où es-tu ?» trois fois. Oh merde. D'accord. Je l'ai pas fait et elle ne me parle plus. MDR et bisous, 15L. Non, c'était franchement, c'était pas mal. Bertrand, vous voyez-tu trois fois, voilà. Donc, si vous voulez aider l'esprit à retrouver son mari pour faire un petit, peut-être, une petite dispute conjugale hein, entre un fantôme et son mari qui est devenu riche grâce à leur argent, enfin, l'argent certainement d'esprit, bah voilà, si vous trouvez Bertrand, dites-lui que sa femme le recherche, tout simplement. Le saviez-vous que le président de la République française joue à Movie Star Planet? Non, vous ne le saviez pas?
Mais en tout cas, là, nous avons une conversation de Monsieur Macron dans le game. C'est parti. Salut Macron, bonjour, je suis Macron, enchantée. Elle va bien, Brigitte ? Oui, super. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Brigitte, c'est la femme de Monsieur Macron, donc la femme du président. Ok, et tu en penses quoi des gilets jaunes ? Les gilets jaunes sont des cons. Comme toi, quoi ? Oh, je rigole. Bon, je pense que vous savez à peu près tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Je vais pas vous redire, mais en tout cas, ça a été un gros bordel à Paris et dans d'autres grandes villes, voilà. Je rigole, je t'aime bien, moi. Je vais te signaler à la justice. Ok, alors non. Bon, bah, ça va. En même temps, pourquoi tu as fait ça ? Hmm ? Tu sais, j'ai des gilets jaunes. Pour la pollution, la terre sera bientôt détruite car il y a beaucoup de pollution. C'est pour ça que j'ai monté les prix, espèce de gilet jaune. Ah, d'accord. J'ai snap. Et non, je ne suis pas un gilet jaune. Ok, sinon t'es célib. Oui, mais non, monsieur Macron, il trompe sa femme sur Mister Planet et il balance son snap. Oh non, j'en peux plus. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ok, alors, tu dis pas que je trompe Bribri avec toi. Bribri Jet, sa femme, oh mon dieu, monsieur Macron, vous me décevez. Déjà que je suis déçue par vous à la base, vous me décevez encore plus. Non, on s'en fout. Ça veut dire quoi, OSF? Bon, ça veut dire on s'en fout, en fait. Tu as quel âge? On s'en fout. Et c'est le dernier. Oh, dommage, il n'y a pas de suite. J'aurais aimé avoir une suite de cette conversation avec monsieur le président. Voilà, donc si, bah du coup, c'est Simone MSP qui m'a envoyé cet email. Simone, tu as la suite de cette conversation? Moi, je veux bien voir la suite. Sauf si vous êtes passé à l'acte de la trahison de la Bribri. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je veux connaître la suite. Pour me soutenir sur YouTube, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur YouTube. Et là, une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Vous pouvez regarder presque 5 pubs par jour et presque tous les jours, voilà, en fonction de combien il y a de publicités disponibles. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à vous. Ici, nous avons des messages de pirateuse, donc tu vas être VIP un an. Ok, ils me font ton patch, Babybel 376. Comment tu fais le i avec les deux points? Bah, ça dépend, t'es sur ordi ou téléphone. Ordi, ok, alors tu appuies sur la majuscule, la flèche, et en même temps sur le bouton à côté du P. Donc ça, c'est bon. Voilà, lui apprend à faire trima, mais c'est pas ça. Ah mince, parce que tu croyais réellement que j'allais te donner mon compte MDR, au moins t'as appris à faire un accent trima pour toi, Kernel. Mais c'est bien, au moins t'as appris quelque chose quand même à la pirateuse. Ce sera une expérience qui sera pas totalement... qui n'aura pas totalement servi à rien pour cette pirateuse. Elle aura appris à faire les deux points sur le i sur ordinateur. Tu veux être VIP à vie ? MDR ? Ouais. Donne-moi ton mot de passe et je te le fais. Et elle répond, c'est tu l'auras pas, piracheuse. VIP à vie, ça existe pas, va arnaquer ailleurs, pauvre fille. Et elle lui offre un autographe quand même, en mode je te nargue quand même parce que je t'ai fait perdre ton temps. Et j'ai bien rigolé. Je vais te signaler à la police car j'ai que 7 ans. Mais tu sais qu'à 7 ans, il n'y a pas tes parents qui te surveillent quand même, au lieu de dire des conneries sur un jeu comme Wizard Planet. Merci, au revoir, Allison, hein, Allison Blousia. Voilà, donc ça, c'était les messages de pirateuse. Comme d'habitude, ne vous faites pas avoir par ce genre de messages. Les personnes qui vous demandent d'être VIP, qui vont vous mettre VIP, souvent, en plus, elles-mêmes ont des bas niveaux. Ça se voit que ce sont des comptes créés uniquement pour pirater. Et en plus, ils sont même pas VIP eux-mêmes. Ils veulent faire VIP à vie des gens, mais eux-mêmes ne sont pas VIP. Je ne comprends pas comment des gens peuvent tomber dans le panneau. Bref, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour les messages, comme d'habitude. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Et bien sûr, si vous avez des messages des rigolos, trolls, fun ou drama ou un peu bizarre, chelou, etc. N'hésitez pas à me les envoyer sur l'email message au pluriel, donc message avec le S, message msp@gmail.com. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous, ciao ciao.